Bonjour à tous mes chers satanistes adorés et bienvenue dans l'épisode 666 en jouissance du démon. J'espère que vous allez bien, nous sommes de retour pour le cinquième épisode de Fear for Cell, les 13 clés édition collector. Alors attendez, juste avant, je bois un petit peu d'eau. Donc dans le dernier épisode, nous avons découvert que la gérante de l'hôtel n'est pas très claire. C'est une femme qui, en fait, emprisonne les cauchemars de ses... des gens pour les confiner dans des sortes de clés ésotériques et bizarres. Ce qui me fait un petit peu peur. Mais sinon, tout va bien. Alors, hop, comme ceci. Un petit labyrinthe pas trop dur. Et voilà. Et forcément, une scène d'OG cachée juste après. Oh, c'est beau. Non. Ah, attendez. Hop, tac, 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 tac. Et un vélo. Là, il va falloir que... Non, une cheminée, mais je sais pas encore comment. Ah, attendez. Étoile, blé. Une étoile. Du blé. Ok, un parapluie, une couronne. Ah, la couronne, je l'avais vue. Il fait si sombre que je ne vois pas ce qui se cache à l'intérieur. Pelote à pingle, une montgolfière. Une carte à jouer, une étoile. Une étoile. Et une pipe. Alors, attendez. Tac, une échelle. Un ramoneur. Ah, ça me rappelle Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vraiment que vraiment atroce. La page est même rancœur. Supercalifragilisticexpialidocious. Ok, un morceau de vitrail. Alors, du coup, vu que le démon il est là, il est en mode. Je sais pas par où commencer. Mince, j'ai perdu mes idées. Ok, on retourne hop sur le toit du cauchemar. Et on va poser le deuxième morceau de vitrail. Que. Ah ouais! Au moins, ce démon sera enfermé pour toujours. Une étoile et un cylindre à code. On va retourner dans la chambre, parce que c'est à la chambre que tout reprend. Hop! Un marteau et un bouton! Un cylindre! J'ai pas le code. Donc, il va falloir que je continue d'explorer. Là. Marteau. Eh ben, même pas en rêve. Là, il me manque un des cylindres. Donc, de toute manière, je peux rien faire de plus. Et il me dit que j'ai quelque chose à faire. Mais j'ai un marteau. J'ai pas grand-chose, en fait. Mais ouais. À part qu'ils me disent que j'ai un truc à casser, mais... non. Bon, tant pis. On va aller dans le couloir du cauchemar. En attendant de savoir exactement ce que je dois faire. Et on va aller mettre le bouton 1 sur la télé. Ok. Tiens, hein. J'avais une famille autrefois. Et puis un jour, j'ai tout perdu. Mais comment? Si seulement je pouvais me le rappeler. Alors, moi, je vais prendre la deuxième tête de lion. Là, il y a une deuxième photo, mais c'est pas clair. Oh! Visionnaire. Je vais la créer. Et une aile de dragon.
Et une chauve-sourire. Et encore une scène. Oh. Brosse, plume et corde. Ok, d'accord. Alors, attendez. Je prends jamais en plus les trucs qu'il faut. Alors, attendez. Brosse. Plume. Alors là, il y a un crayon rouge. Je me déconcentre, mince. Loupe. Un parfum, un sablier et une plume. Un parfum. Là, on va lui faire une jolie tête. Gagaga. Eh, salut. Une plume, une carafe. D'accord. Alors, je te dis une carafe, je clique dessus, toi tu me dis non. Ça va pas le faire, mon ami. Crayon. Hop, comme ceci, une plume. Et la carafe, elle est où? Bah, c'est ça la carafe. À moins qu'on me dise. Mais ouais. J'ai cliqué dessus, hein, je vous jure, pourtant. On a trouvé une corne. Œil de lynx. Débloquer tous les classements de journalistes. Terminer tous les mini-jeux sans passer. Trouver tous les objets métamorphes. Obtenir toutes les récompenses. Ok. Bah écoutez, ça nous fait encore pas mal de choses à faire. On va retourner au deuxième étage. On a trouvé des bouboules. Des bouboules d'antenne. Ça veut donc dire qu'on va jouer aux bouboules. Aux bouboules. Et ça veut dire que j'arriverai pas à trouver le code. Ah, attendez. 206. On a trouvé un bocal avec des électrodes. Ok. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir torturer... sauver notre jeune ami de cette situation un peu délicate. Très bien. Un bocal chargé. La corne du démon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque un élément important ici. Bon, déjà là-dessus, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus. Le couloir du cauchemar. On va charger le cœur. Très bien. Un battant de cloche. Oh, ça va faire qu'on va devoir retourner là-haut. Mais je m'en fous! Je m'en fous! Faut qu'on continue. Est-ce que j'avais encore quelque chose à faire ici? Apparemment, oui. Ah, bingo! L'aile de dragon. Je me souvenais plus de cette boîte. Un crâne de cristal. Le crâne. Qui bizarrement ressemble à celui qu'il y a dans Indiana Jones. Mais bon. Sinon, à part ça, what the fuck. Hop. Donc, quel est l'intérêt de sonner les cloches sans oreilles attentives pour les entendre? Bah ouais, j'aimerais bien. Hop, guider le crâne dans le labyrinthe vers la fenêtre supérieure déplaçant les petits jetons. Oui, j'aime bien moi. YOLO. Alors, attendez.
YOLO! Alors attendez. Et voilà! Énigme terminée! Un parchemin. À quoi il va bien pouvoir me servir? Encore une scène! Alors attendez. Alors, une grenouille. Ah zut! Je devrais prendre le temps. Je clique un peu n'importe où. Je m'en excuse. Par moments, ça me prend comme ça. Un drapeau. Un nichoir. Un pendentif, un papillon. Et une sorcière. Ah. Grenouille et un trèfle. Grenouille. Le trèfle. Ah, une souricière, mince. J'avais pas compris. Une souricière. Quand tu me dis souricière, je ne comprends pas. Tac, tac. Cet objet est très absorbant. Comment ça, cet objet est très absorbant? Lapin, champignon, je ne comprends pas. Je vois pas où sont les champignons, alors. À moins que je me vois mal. Attendez, champignons, d'accord, ok. Et un lapin. Et donc une souricière. Une souricière. Bon, non, je n'utiliserai pas d'indice. Je vais y arriver. Je dois me concentrer. Mais bordel, mais arrêtez avec ça. Ok, bah écoutez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé la solution. Puisque je suis une grosse feignasse complète, je vais faire le mode puzzle. Parce que c'est plus simple et c'est plus drôle. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Alors, une plume. Hein? Donc, une plume, deux plumes, trois plumes, quatre plumes, cinq plumes, six plumes. Et donc, une boîte à oreilles. D'accord. Si tu veux, une boîte à oreilles. Comme ça, on n'a pas perdu quoi que ce soit. Là, on va donner le parchemin à lui et on a trouvé un morceau d'Afrique. Enfin, l'Afrique. Enfin, vous m'avez compris. Ensuite, bureau du cauchemar. Bonjour, bienvenue dans le bureau du cauchemar. Aujourd'hui, nous allons vous parler des insanités. Est-ce que vous aimez les voyages dans l'enfer? Oh là là. Je suis complètement barré aujourd'hui. Alors attendez. Je parie que cette boîte a des oreilles pour une bonne raison. Allons-y. Donc.
Et on a trouvé une montgolfière. Dans le bureau. Le bureau de l'enfer. Une moitié d'emblème. Et un morceau de gâteau. Parce que j'aime bien les friandises. Alors, du coup, avec cette moitié d'emblème, pardon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peut-être pouvoir libérer le démon? Non, juste un monogramme, d'accord. Monogramme! 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 On retourne au bureau. Hop. Et il nous manque forcément une pierre. Mon Dieu. Alors, corbeau. Chien. Un balai. Une montre. Un chapeau. Un cristal, un miroir. Cristal. Cristal, lunettes, chevalier. Tac. Une patte de chat. Et enfin, la poupée vaudou de l'amour. Mais forcément, si elle a rien sur elle, c'est moins drôle. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il nous reste encore un truc à planter dans cette poupée vaudou? Ou est-ce que c'est bon? Eh ben oui, c'était bon. Génial, un cristal. Et on en est presque à la moitié du jeu. Disposez les cristaux dans les emplacements de façon à allumer toutes les rainures. Oh, what? What the fuck say? Toutes les rainures, mais ça va être compliqué ça. C'est pas possible. Waouh. Alors attendez, déjà, clairement, là, ça ne marche pas. Là, ça a l'air de marcher, mais du coup, là, je me retrouve bloqué. De toute façon, si je fais ça... Ok, bon voilà. C'était pas si dur que ça en fait. Jack Berkeley, ce voleur m'a menti. Je lui ai donné ce qu'il voulait, il a refusé de payer le prix. Mais Caroline va bientôt régler sa dette. Et elle ne le saura même pas. Attendez, j'avais un fils, Sam. Quand il était bébé, je les ai fait partir, lui et sa mère, pour les protéger du démon. Je suis resté pour garder la porte. Mais votre fils est ici dans la maison à présent? Non, s'il est ici, alors il court un terrible danger. Vous devez empêcher Caroline d'ouvrir la porte. Elle n'a pas idée des conséquences. Je vais vous réveiller à présent, comme je l'avais promis. Oh! Aïe! Oh! Si Caroline déverrouille la porte, ce sera trop tard. Je vais essayer de la ralentir, mais vous devez faire vite. Ok. Eh bien... Je vais regarder la télé. Rien à foutre! Oh! Il me manque un truc. Il me manque toujours un truc et ça m'énerve. Ah, bingo. La roue dentée. Hop. Très bien. On met la roue dentée. Le mécanisme.
Et on descend. Quel beau jardin, mais je n'ai pas le loisir d'admirer le paysage. Il faut que j'arrive à ouvrir cette porte rapidement. Eh bien écoutez mes chers amis, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts, à partager avec vos amis. Et on se retrouve demain pour la suite de cette aventure de Fear4Cell. Gros bisous à tous, ciao, bye bye.